Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, je peux pas m'empêcher de dire cette phrase. Pourtant, on m'a déjà dit, mais arrête de le dire, ça sert à rien. Oui, je sais, mais j'arrive pas, c'est automatique, ça sort tout seul. Bref, bienvenue à vous. Je vous souhaite une excellente et une merveilleuse année 2016. Je commence par là. Je me dis à chaque début d'année, il faut que je fasse une vidéo pour vous faire un coucou et pour vous souhaiter la bonne année et enfin voilà, ça c'est obligé, même si je passe beaucoup de temps sans poster de vidéo, mais en début d'année je suis obligée de venir rien que pour vous souhaiter une bonne et une merveilleuse année. Alors quoi d'autre? Donc je me suis dit mais qu'est-ce que je vais dire pour cette vidéo? Et en fait il n'y a pas très longtemps j'ai lissé mes cheveux, donc là ils ont un petit peu gonflé. Mais vous allez voir sur mon Instagram, il y a des photos de mes cheveux lissés. Je vous propose quelques petits conseils pour la pousse capillaire, du moins mes astuces à moi pour garder mes cheveux longs. Sur Facebook et sur Instagram, vous m'avez demandé, quelques-unes d'entre vous, ce que je faisais pour pouvoir garder, enfin retenir cette longueur. Je pense que la longueur des unes et des autres, il ne faut pas vraiment essayer de se comparer. C'est vrai qu'on a tendance à le faire parce qu'on a envie de voir si nos cheveux sont normaux ou pas. Alors je vous dis ça parce que durant toute mon aventure capillaire de naturel, je n'ai vraiment rien fait de spécial sur mes cheveux pour qu'ils poussent. Ce que je dis souvent, c'est que je respecte au moins les règles de base. Alors pour moi, le minimum, le béaba, je le fais vraiment parce que c'est important et que c'est pour mon confort personnel aussi, c'est que le démêlage doit se faire en douceur. Ça c'est super important, c'est le cas, je le fais pour moi et aussi pour ma fille. Vous avez bien vu les cheveux de ma fille, le démêlage doit toujours se faire en douceur, section par section, de la pointe jusqu'à la racine, en douceur. Pourquoi? Parce que vous allez limiter la casse. Voilà, donc en fait nos cheveux poussent comme tout le monde, certains plus vite que d'autres, mais il faut vraiment limiter la casse. Je pense que cette règle de base est la règle la plus basique pour moi, celle que je prêche vraiment. Je veux que tout le monde saisisse et comprenne que c'est pas une histoire de produit, parce que souvent on me demande mais qu'est-ce que tu mets comme produit, mais c'est pas une question de produit. Le plus important véritablement c'est ce que vous faites de vos mains, et les produits ce sera vraiment un plus. C'est toujours important et intéressant de découvrir les produits, de savoir, parce que les produits bien sûr jouent un rôle important dans notre routine capillaire. Je vous assure les filles, je peux passer une à deux semaines, même voire plus, sans démêler mes cheveux. Idem, identique pour les cheveux de ma fille, je peux passer énormément de temps sans lui démêler mes les cheveux. Mais le résultat à la fin de ces démêlages-là ne sont jamais catastrophiques. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner pour la pousse de cheveux, ce serait de faire des soins réguliers. Voilà, parce que moi, mes bases, c'est ça. C'est 1. Faire attention au démêlage. Et 2. Faire des soins régulièrement sur mes cheveux. Même si ce n'est que un après-shampoing laissé poser 10 minutes, c'est pas grave. Faites-vous des soins régulièrement, posez quelque chose sur vos cheveux pour que vos cheveux soient hydratés, surtout si vous avez les cheveux fins et secs. Laissez-moi vous dire une autre chose par rapport à mes cheveux, c'est que mes cheveux sont assez robustes, donc ils résistent un petit peu mieux à la casse. Par contre, si vous avez les cheveux fins, attention parce que vous allez être plus sujette, plus sensible à la casse. Et ce que je recommande, quel que soit le type de cheveux, que vous ayez les cheveux fins ou épais, c'est de faire régulièrement des soins protéinés. C'est super important, que ce soit fait en masque, en shampoing ou en après-shampoing, peu importe. Les protéines, ça va aider à fortifier vos cheveux. À chaque fois que je sais que mes cheveux en ont besoin, que j'ai un peu maltraité mes cheveux ou qu'ils sont restés longtemps sans soins, bref, que ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de soins, alors le soin protéiné, il intervient à ce moment-là. Donc voilà les filles, ce sont mes deux conseils principaux pour la pousse de cheveux. Règle numéro 1, démêlage en douceur. Règle numéro 2, faites-vous des soins régulièrement et n'oubliez pas les soins protéinés qui sont très importants pour fortifier les cheveux, surtout si vous avez les cheveux fins et secs. Bon ben voilà, tous mes conseils sont livrés, enfin tous. Les deux principaux, parce qu'encore une fois ce n'est pas une histoire de produits mais une histoire de ce que vous faites, des produits. Les filles, je vous fais plein de gros bisous. Petite info supplémentaire, je suis sur Snapchat, alors vous pouvez me rajouter, mon nom se trouve ici, Marcia DFL. N'oubliez pas, je suis aussi sur Instagram et sur Facebook. Les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à surtout me laisser vos commentaires, ça me fera hyper plaisir de vous lire. Je vous fais plein de gros bisous, encore une fois bonne année. Et puis, c'est tout.
Ciao.